Hello, les gens, c'est Lozerek, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le lobby de Skywars The High Pixel, le nouveau lobby de Skywars The High Pixel. Attention, tout a changé, c'est magnifique. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de nouveautés. Alors, bon, c'est à voir si c'est une chose positive ou négative. Moi, je trouve ça plutôt cool, mais bon, écoutez, c'est un point de vue à avoir. Moi, j'aimais aussi énormément l'ancien lobby qu'on avait. Donc, écoutez, je reste un petit peu déçu de cette mise à jour, mais bon, il faut bien que les choses changent. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Bref, aujourd'hui, on se retrouve donc pour faire un petit peu de Skywars en normal, en solo, en tout ce que vous voulez. Je vous souhaite un bon visionnage et écoutez, c'est parti! Les gens, on se retrouve donc pour le début de la première partie. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une nouvelle animation quand on va ouvrir les coffres. En fait, les coffres vont rester comme ça, il y aura un temps avant que du coup il y ait du nouveau stuff qui va venir dans les coffres. Voilà, comme vous pouvez voir, empty, se dire donc que le coffre est vide. Donc c'est plutôt pratique, ça permet de savoir, au moins on va pas dans un coffre pour rien, comme ça on sait s'il a déjà été ouvert ou pas. Donc écoutez, moi je trouve ça plutôt pratique, mais après chacun son point de vue là-dessus. Hop, on va aller là-dessus. Tac, on va pousser le monsieur dans... On l'a pas poussé dans le vide, on l'a juste tué. On va prendre son petit plastron parce qu'il était sympathique, son plastron. Et l'autre monsieur, hop. Non, il est pas mort. Comment faire? On va passer par là. Putain de merde. Je le sens mal, je le sens très 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 mal ce coup. Parce que disons qu'avec ces boules de neige, il risque de me mettre dans le mal. Hop, boule de neige, voilà, c'est bon. Putain. Mais le mec, c'est Terminator, tu sais, tu le frappes, non, il meurt pas, lui, il a toujours un petit coin où il va se sauver. Hop, allez, c'est bon, ça dégage, oui, non, oui, non, oui, non, oui, bah quand même. Est-ce qu'il y aurait pas des gens, des amicaux, amicaux, genre, bon, déjà, on a trouvé un petit, des petites jambières protection 4, ce qui est pas dégueulasse. Ah oui, vous allez vous demander, mais pourquoi t'as une cape Minecon, les Ozolek? En fait, c'est pas vraiment une cape Minecon, c'est juste un mode, enfin pas un mode, enfin si c'est un mode, mais il faut payer des caps. C'est un peu comme les caps Optifine, voilà, donc c'est le 5Zig mod. J'ai payé une cape et je l'ai customisé, voilà. Et du coup, bah voilà, j'ai pris ça parce que elle est jolie cette cape, et puis voilà quoi. Wow, t'as failli me faire tomber dans le vide, toi. Tu vas le regretter, peut-être que. Non, mais sinon, quand je disais que le regretter, tu sais, on peut toujours devenir amis, sinon tu me laisses tranquille et puis. Ah bah non, c'est bon, on a gagné. Nickel! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire du coup en attendant? Parce que je sais pas, j'ai pas envie de TP tout de suite. Oh mon dieu, j'ai 92 souls, c'est génial, on va pouvoir faire un petit soulwell. Voilà, hop, Pedro. Non, je veux pas monter sur Pedro actuellement. Hop, voilà, on confirme. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir? J'en profite pour vous demander un petit like. On ne sait jamais pendant ce temps-là, voilà, c'est Pedro qui vous le demande. C'est gratuit, ça bouffe pas de pain, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Medium bags of coins, ok. Troll kit solo, je l'ai probablement déjà. Gna gna gna, est-ce que je l'avais déjà? Ouais, je l'avais déjà. Bon, ça fait des coins, c'est pas grave. Et les gens, on se retrouve pour une seconde game explosive. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est génial. On va prendre le petit kit armorer, la plastron, une jambière en or et également des bottes en or pour le seul prix de 59,99€. Qu'est-ce qu'on a? On a un casque en or, une petite épée en fer. Bon, ça passe. Un casque en or, c'était un casque en fer, pardon. Hop, on va aller rush le monsieur à côté de nous. Hop, voilà, on fait un petit pont en hauteur. On place encore 2-3 blocs. Bonjour, comment te portes-tu? Tu vas bien? C'est nickel. Hop, bah maintenant tu vas moins bien. Wow. C'est la folie, j'ai failli me casser la gueule. On va avancer sur la map, hein, c'est un petit peu le but. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici? Est-ce qu'il y a des... Bon, je suis full clear, c'est intéressant. Est-ce que je pourrais pas te tuer? Hop, des œufs. Voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Tu tombes dans le vide et c'est parti. Je vois un grand pseudo dans la terre là-bas. On va aller, bien entendu, lui faire un petit coucou. Ce serait bête de le rater. Il a un casque en diamant. Oh, c'est joli ça, c'est joli. Si tu me laisses faire, je vais gentiment m'en emparer de ce casque en diamant. Hop, bah non, je prendrai juste le kill, merci. Bonjour les amis. Est-ce qu'on serait pas dans la merde? Ouais. Alors, dans ce genre de situation, c'est pas conseillé de combattre, hein. Mais là, vu que le mec m'a l'air d'être assez bas en vie. Wow. On va se calmer, Michel, on va se calmer. On se calme, c'est pas la cour de récré, c'est Minecraft. Allez, régène. Non, pas le feu, pas le feu. Si je meurs du feu, je rage quitte. Non. Un mica. Il avait 3 épées Fire Aspect, vas-y, j'en prends une. Je suis pas là. Non, je suis pas là. Ne viens pas. Ne viens pas. Bon, maintenant on va essayer d'aller vers lui maintenant qu'on a un petit peu plus de vie déjà. Alors, est-ce qu'il vient vers nous? C'est nickel. Parfait. Nickel. Est-ce qu'il avait du stuff intéressant? Non, par contre, il avait une canne à pêche recul. Il avait une petite pobo de speed 2, c'est sympathique, on se met bien.
Alors, est-ce qu'il reste des gens très très musclés qui s'apprêtent à nous tabasser? Oui, il y a BattleBot MC, un grand joueur PVP de renommée mondiale évidemment. Alors, attention, est-ce que t'es prêt? Oh, il était plus que prêt lui. Bah voilà, il était très très doué, hein, de renommée mondiale, comme je vous l'ai dit, on est vraiment très très fort pour tuer les gens. Et boum, on se retrouve pour une troisième partie qui se passe sur une map très 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 connue de ma part. Bref, je connais pas le nom, c'est... Voilà, Tribal, c'est marqué sur le côté. Hop, on va jeter les bots. Je voulais pas jeter ça, mais bon, tant pis. Hop, on va aller vers le middle. On va essayer de faire un sneak des sneaks avec talent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on place un bloc, on se desneak. Voilà, bon, je l'ai fait à moitié, mais c'est tant pis. On va prendre les magnifiques coffres. Une pomme d'or, c'est pas mal. Ça peut servir à régén. Est-ce qu'il y aurait pas un petit peu d'autres stuff un peu plus cheaté? Une Ender Pearl, oui. Hop, on va faire attention parce qu'il y a des gens pas très loin. Bonjour, les amis. Alors, est-ce qu'on pourrait pas s'incruster carrément dans le PVP pour en profiter pour tuer tout le monde, en fait? Ce serait assez pratique pour moi. Voilà, nickel. On se retrouve dans une position assez confortable, j'ai envie de vous dire. On est quand même plutôt bien stuff dès le début de la partie. On va s'équiper d'un petit arc fort sympathique. On va prendre l'Ender Pearl et on va aller voir où sont les gens. J'ai deux Ender Pearl, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Alors, j'ai pas de flèche. J'ai un arc mais j'ai pas de flèche. C'est plutôt con, ouais, je vous l'avoue, c'est plutôt con. C'est pas grave, on va faire ça, mais j'aurais bien aimé quand même avoir 2-3 petites flèches. Ça aurait été sympathique, mais bon. Tant pis, hop, on va... Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, meurs, s'il te plaît. Oh, j'ai des flèches maintenant. Est-ce qu'on pourrait pas le toucher une dernière fois, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop, Ender Pearl, voilà, c'est magnifique. Tu vas arrêter de nous attaquer, s'il te plaît, parce que c'est pas ultra sympathique de ta part, quand même, j'aimerais le signaler. Hop, on y est presque. Allez, il est presque mort, là. Hop, la petite flèche qui passe sur le côté. Non mais j'arrive pas à le toucher, c'est n'importe quoi. J'ai plus de flèches, génial. J'ai failli rater mon Ender Pearl. Est-ce que vous avez vu ça? C'était assez stressant. Bref, toi tu vas genre crever tout de suite, voilà. Merci. Hop, victoire, bah déjà. C'était une partie assez courte, encore une fois. On va enchaîner sur une dernière petite quatrième partie pour terminer notre magnifique vidéo. Et voilà, on se retrouve sur une map à l'air italien, magnifique map d'ailleurs, on peut le noter vraiment. C'est une map bien faite par la team iPixel, évidemment, toujours eux. Alors, est-ce qu'on trouverait pas un stuff fortement intéressant? Pour l'instant, c'est mal parti, mais bon. On peut toujours rêver, voilà, on n'a pas d'épée, c'est assez surprenant. Normalement, on est censé avoir une épée dans tous les coffres, enfin, dans toutes les parties, donc si j'ai pas d'épée... Ok, on n'a vraiment pas d'épée. Bon bah tant pis, écoutez, on va combattre à la pioche, au moins on a une pioche, déjà c'est pas trop mal. Hop, on va faire un petit pont, on va voir si on pourrait pas se démerder là-dedans. Ok, bah... Finalement on va peut-être faire une cinquième game, hein, les gens. Ok, cinquième game, un petit peu imprévu, mais bon, c'est pas grave. Hop, on s'équipe d'un petit stuff armorer. En espérant que cette fois-ci on tombe sur une petite épée quand même dans les coffres, hein, ce sera plutôt sympa parce que sinon on peut pas trop taper les autres. Est-ce qu'on a une épée? Et voilà, nickel. Parfait, merci iPixel. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Un petit peu de merde, non, c'est pas grave. On fera avec, et il y avait un coffre. Il y avait un casque. Il y avait un petit casque en cuir, donc je le prends quand même. Hop, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-dedans? Oui, il y a quelqu'un. Bonjour. Tu as un petit plastron en fer qui m'intéresse fortement, jeune néophyte. Du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans cette game? J'aperçois déjà Alex the Beast 1-2-3, c'est ça? Effectivement, un magnifique pseudonyme. Hop, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Ok. Non, mais après, quand je disais qu'on pouvait faire une cinquième game, c'était justement pour ouvrir les portes à la sixième game. Donc écoutez, sixième game. Bref, du coup, c'est parti pour une magnifique sixième partie sur une map que je n'arrive pas très bien à voir. Parce que là, niveau visibilité, on est un petit peu au plus bas de la chose. C'est pas grave, hop, on a reçu une invitation d'amitié de Don't Try PVP, voilà. C'est magnifique, on va un petit peu l'ignorer parce que j'en ai rien à faire de Don't Try PVP après tout. On va aller s'aventurer vers le mid, hop, c'est parfait. Alors, que se passe-t-il vers ici? Il y a un petit joueur là-bas, il y a peut-être d'autres joueurs là, non, pas du tout. Oh, c'est triste. Il y a une tête de mouton là, elle me fait un petit peu peur. Bref, on va aller attaquer le joueur qui se trouve... Oh. Comment je vais bien pouvoir amorcer tout ça, moi? Alors, la technique, c'est d'y aller très très vite. Hop! Voilà, c'est magnifique, il est mort. Bref, hop, on fait un petit pont rapide. Alors, que se passe-t-il par ici? Il y a déjà un pont, hop,
hop, là j'ai failli me casser la gueule mais tout va bien, faut faire attention à ici. On va monter en haut de ce truc, je connais pas du tout la map, donc écoutez, on va voir un petit peu comment... Oh. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était une trappe. Mais casse-toi, meurs. C'est bon. Bonjour, comment vas-tu? Oui, hop, nickel, voilà, double kill, c'est parfait, la petite doublette, je vois un joueur... Ah non, c'est un squelette. Aïe, 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 ça fait bobo, ça fait bobo, ça fait très très bobo, ça fait très très bobo. Hop, de la lave. Oh, oh, je l'ai bien foutu dans la lave en plus. Magnifique. Bon, par contre, je suis quand même dans la merde. Oh non, 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 ne viens pas, ne viens pas. On peut être amis, tu sais, on peut être très très amis. Tu sais, quand j'ai dit que je voulais pas accepter ta requête d'amis, c'était surtout une blague. Hein. Non, non, mais on peut vraiment devenir amis si t'as envie, vraiment. C'est. Tout de suite, j'ai changé d'avis d'un coup. Tant pis. Allez, on y croit, Oui, 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 c'est magnifique, On va mettre le petit GG, voilà. Et on va mettre un smiley grâce à mon superbe bot. Non, j'ai pas eu le temps. Bon, bah écoutez, on va le mettre dans le chat du lobby, voilà, on va mettre. Un petit cœur, voilà, c'est sympathique, voilà. Bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a extrêmement plu à faire, donc j'espère que ça a été le cas à regarder, voilà. Donc, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, exactement. Et si vous le faites pas pour moi, faites-le au moins pour Pedro, le paresseux, voilà. Comment pouvez-vous résister à un petit paresseux comme ça qui hoche la tête tout mignonnement? Voilà, il vous demande un petit like tout gentiment, ça ne mange pas de pain, c'est juste un petit clic. Sinon, ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça, ça m'aide énormément. C'est ce qui fait même le plus aider la chaîne à avancer, voilà. Et puis également, bah, si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, on est déjà 17 000. Écoutez, c'est immense. Donc, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Puis du coup, moi, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. C'était Léo The Luck, à votre service. Ciao, ciao.